Salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, une vidéo spéciale directement par rapport aux Sims. Et aujourd'hui, tout le monde a rêvé d'avoir les PMV en illimité, de l'argent en illimité, tout simplement parce que le mode de développement de structure, de maison, est totalement full illimité. Et grâce à ce module, je vais vous permettre non seulement de passer les levels en illimité, ce qui vous donnera bien évidemment les nouveaux objets en exclu, bien évidemment, mais aussi la possibilité de passer toutes vos missions en illimité. Pour simple, je vous montre un gameplay à l'écran, il s'agit de ma ville. Je suis passé au level 44 en moins d'une semaine, tout simplement grâce au PMV. Les PMV, on le sait, c'est un coup de malade, c'est un coup marketing qu'ils avaient mis en place pour pouvoir récupérer un maximum d'argent. Mais grâce à ce module que vous téléchargerez directement sur Happy Mode, vous allez le trouver sur Happy Mode. Il vous suffit d'installer Happy Mode sur votre Android ou sur votre iOS, mais via un autre module, c'est un peu compliqué, je vous explique juste après, pour pouvoir récupérer le mode. En sachant que forcément et systématiquement, vous avez joué en ligne, vous allez pouvoir connecter votre compte Facebook directement au Sims Freeplay, ce qui vous donnera bien évidemment une sauvegarde et une donnée que vous allez récupérer via la version MobD. Alors, il y a plein de personnes qui vont me dire « Oui, mais quand j'installe l'application, je n'arrive pas à me connecter à Facebook. » Rien de plus simple. Dans un premier lieu, il vous faut désinstaller ou désactiver votre application Facebook et passer par l'émulateur, par le module d'Internet, tout simplement par votre navigateur. Une fois que c'est fait, que vous vous êtes connecté, vous allez pouvoir sauvegarder les données, récupérer votre sauvegarde et récupérer votre map. Une fois que c'est fait, vous allez avoir votre compteur avec les PMV en full illimité. Vous allez pouvoir récupérer toutes les packages en illimité et plus encore parce que vous avez l'accès au VIP 15. Donc tout ce qui était bloqué et que vous n'aviez pas par rapport au VIP, vous allez pouvoir l'obtenir grâce à ceci. Il vous suffit tout simplement, déjà dans un premier lieu, d'installer Happy Mode, d'aller récupérer les Sims Freeplay, la version qui est recommandée, la dernière version en date. Et une fois que c'est fait et que vous avez installé le jeu, vous connectez à Facebook. Vous allez télécharger les data, vous allez vous connecter à votre jeu, vous allez récupérer. Et une chose qui est vraiment importante, allez dans le nuage, sauvegarder en automatique toutes les données via le cloud. Le petit nuage, parce que si, en admettant, vous avez passé les missions, que le mode a bugué ou quoi que ce soit et que vous voulez repasser sur votre version d'origine, vous pourrez, mais la sauvegarde ne sera pas faite automatiquement parce qu'il y a une synchronisation qui se fait en quelques heures. Pour le coup, si vous l'activez en illimité et vous l'activez automatiquement, ça va se faire toutes les 3 à 4 minutes. Donc pendant ce laps de temps là, vous allez pouvoir avancer vos missions et autres. Moi pour le coup, j'ai fini complètement, j'attends les prochaines mises à jour. Tous les packs, que ce soit dans la boutique, que ce soit dans le pack exclu, dans le VIP, vous allez l'obtenir grâce à ce mode. Donc oui, ça fait rêver et je vous conseille de vraiment y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Vraiment, tous les anciens contenus sont disponibles. Vous allez pouvoir passer les missions de Brie en illimité rapidement, bien sûr. Vous allez pouvoir récupérer du coup les sous-sols, les balcons, les mezzalines et tant d'autres, les étages et j'en passe. Vous allez vraiment avoir beaucoup de choses. Bref, si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas, bien sûr, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Par rapport aux iOS, comme je le disais, il y a une possibilité de le récupérer. Tout simplement, vous allez récupérer un Android, vous allez récupérer votre map, vous allez bombarder. Juste en vous connectant, ça va synchroniser la data, ça va synchroniser forcément le module, ça va synchroniser les PMV, l'argent et tout ce qui s'ensuit. Et vous allez le récupérer sur votre iOS via Facebook, tout simplement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et faire tourner l'information. Merci à tous. Bye bye tout le monde.